Sergueï Lavrov empêché de se rendre en Serbie. La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont fermé leur espace aérien au vol du chef de la diplomatie russe. Fureur immédiate de Moscou qui juge cette mesure scandaleuse et hostile. Ces trois pays européens, membres de l'OTAN, appliquent les sanctions imposées à la Russie après le déclenchement de l'offensive en Ukraine. La ligne de Bruxelles dans les Balkans et en Ukraine est essentiellement la même. Mais dans les Balkans, l'Union européenne favorise seulement ceux qui portent atteinte aux intérêts des Serbes. Et en Ukraine, l'OTAN et l'UE soutiennent un régime qui a depuis longtemps déclaré la guerre à tout ce qui est russe. Puisque Sergueï Lavrov ne peut pas aller en Serbie, c'est le président serbe qui ira à Moscou. Le chef de la diplomatie russe est visé par les sanctions européennes, tout comme le président Poutine. La Serbie reste le plus proche allié de la Russie dans la région et a refusé de se joindre aux sanctions contre Moscou, même si elle a condamné l'invasion en Ukraine.